53 degrés, 23 degrés, il fait combien là? 18, donc ça va. 22, ok, c'est bon. On va, à mon avis, ouvrir le. On va rouvrir vite fait ici. Parce qu'à mon avis, je vais me faire voir. on va peut-être manquer un petit peu d'énergie là, à mon avis. Vache, ils m'ont tout pété, hein. Vous faites quoi là, les gars? Est accroupi. Se repose. Je préfère ça, hein? Est accroupi. Se repose. Tu veux transporter. Ben, c'est bien. Et toi? Tu te déplaces. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. D'accord, on reprend. Tout le monde revient en ici. Ok, voilà le problème qui se posait, tout simplement. Ils ne savaient plus où ils devaient aller, ces gens-là. Voilà, ils se reposent. Tu te reposes. Tu fais quoi? Transport gravat, t'y crois vraiment, mec? Sacré grizzly, va. Hein? Sacré grizzly. Travail. Donc, ben vous allez être patient, hein. Ok. Et lâcher, combattre le feu. Qu'est-ce que je fous dans le feu? C'est pas le feu que je veux m'occuper, moi. C'est patient que je veux m'occuper. Voilà. D'équerre. Un. Un. Et la chie. Ah, ok. Ensuite, repos. Deux, c'est ok. Deux. Sky Tac. Bud. Et enfin, et c'est bon. Allez. Vache, où es-tu, ma biche? Tu soignes Dan, ok. Allez, les enfants. Sacré grise diva. Ensuite, on va regarder dans Numbers de nouveau les presets médicales, qui est mon meilleur soin médicaux. On a Sky qui est encore actuellement à 135%. J'ai vache et j'ai Allo. On va mettre Allo en soin. On peut mettre Sky aussi, mais on va quand même la soigner. Hein, c'est quand même mieux. Allo. Où es-tu, mon ami? Voilà. Tu vas prodiguer des soins. Prodiguer des soins. Deux. Vache. Deux. Numbers. Vache. Allô. Et on pourrait mettre libellule, pourquoi pas. On peut mettre libellule. Travail. Ça ne lui fera pas de tort pour une fois. Et voilà. Voilà, libellule. Bien soigner notre ami Becker. Est-ce que tout le monde est bien mis en. Mais donc. Voilà, tout ça. C'est parfait. Et on enlèvera tout ça.
Et voilà. Ben dites donc. Bon. Grizzly, tu veux pas aller te coucher? T'es occupé de mourir là, ouais. Ok. Alors, vache. Donc, j'ai Allo qui est ici, qui va soigner la chie. Voilà. Ensuite, Libellule, elle soigne d'équerre. Allo. Et vache, soigne d'âne. Ok. Alors, pas de mort là. Toi, t'as été soigné normalement. Sky, non. Bud, va. Lucky, une condition. Ok. Ok, Rimen, je voudrais que tu... Non. Tu fais pas de nettoyage. Ok. Anarchiste. Tu vas venir... Nettoyer le sang. Ensuite, tu vas nettoyer le sang. Ok. Allô, c'est occupé. Là, c'est occupé. Ok. C'est bien. Lisa. Je viens nettoyer le sang qu'il y a ici. Ok, vache. Donc Dan devrait être soigné. Non. Tout le corps, c'est ok. Sky. Bon, vache, tu vas me la soigner. Et... Voilà. Voilà, c'est fait. Alright. Vache, tu as fini. Donc, il me reste Grizzly à soigner. Et le meilleur soin pour Grizzly, ça va être vache, bien entendu. Ah, elle soigne Sky, ok. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de soigner Sky tout de suite? Tu soignes Nashi. Et après, tu viens soigner... Non. J'irai plus vite avec Wash. Priorise ici et puis tu viendras prioriser Sky. Voilà.
Ben, Malo va faire ça. Ça, on nettoiera après. Ni ça va nettoyer. Anarchiste. Et ben dites donc, merci. Quand, dire qu'avant je me plaignais de Randy, ben ce coup-ci. Bon, est-ce qu'on en profiterait pour reculer d'un coup, celui-ci? Autant le démolir, ça pourra me faire une batterie en plus. En tout cas, ça ne veut pas dire que j'aurais gagné écrit grand chose là-dedans, dans cette histoire, à la moins. Bon, si je la recule de 1, je peux me faire. Non, plus. Mais à ce moment-là, je perdrai tout mon truc. Non, on va pas s'embêter. On va juste se refaire une copie. Ici. Voilà. Bon, c'est une copie. Ensuite, tu m'as pété autre chose. Ouais, tu m'as pété quelques trucs, quoi. Ça, c'est en métal, ça. Donc, on va se refaire une production en bois. Voilà. Alors, tu m'as pété ma table d'échecs. Donc, en loisir, une table d'échecs, quelle qui vient ici. Voilà. Par ça, tu m'as pas pété des tonnes. Hein. Je crois que tu m'as pété un. Ici. Tu m'as pété un truc comme ça. Ouais, tu m'en as pété un. Ça va, c'est pas trop. Et un climatiseur. Bon, là il fait 27. Là il fait 14. C'est un petit peu gênant. Mais si je referme la porte ici, ça devrait aller mieux. Ok, bon, commençons nos personnages. Toi, tu as faim. Toi, tu as faim. Chauve, tu vas venir nourrir. T'as pas le droit de venir la nourrir. Bon, il faut qu'il soit dans les vapes. Grizzly.
du bien, hein? Pour suivre. Ça fait mal, hein, d'imaginer que 25 points dans le nez, là, enfin 30 que je m'en suis pris, hein, c'est 30 points d'office, hein. Par contre, là, j'en ai pris moins, puisque blessure par pistolet mitrailleur. Ah ben merde alors. Bah, le pistolet mitrailleur lourd de Lissa a manqué de justesse le lancier. Ah, d'accord. C'est moi qui me suis tapé dessus, quoi. Bien joué, ça. Félicitations. Félicitations, Lissa. Ah bon? Bah, c'est con, ça. Par contre, là, l'encharge, oui, ça, c'est un peu plus méchant. Ensuite, on a Dan. L'encharge. Et lance-charge. Ouais, c'est 30 points. C'est pour ça que je dis que Slan est un peu fou. De... Vous voyez là, 24. Hein, on s'est pris... Le bassin, il s'est vraiment fait mal. 27-9. Alors que j'ai que 25. Percer le bassin et le torse. Et donc, quand je disais ne pas mettre de casque, c'est un suicide. C'est un véritable suicide. Vous vous prenez une balle dans la tête, c'est fini, quoi. C'est, la tête, elle explose, quoi. Enfin, elle explose. Il a eu de la chance, il a eu une chance énorme. Parce que se faire un tir dans la tête, se faire arracher une oreille, se faire... arracher un œil et bon, faut pas exagérer quoi. Un œil et puis l'autre truc c'était je sais plus le cou, voilà. Donc, 3 balles dans la tête et là il s'en sort avec rien du tout. Incapacité de... Ok, qui est-ce qui a mal? Toi, tu dois avoir vachement mal, hein? Le chauve. D'ailleurs, tu viens... Ah, on va te laisser finir ton... T'occuper de faire ton truc. Donc, dès que tu as terminé, tu viens relâcher un petit peu... Ça va y être. Là, tu es à 100%, tu viens ici. Qui, ma petite Sky? On dit merci. Je dis bien. Hein? Toi, t'as de la douleur? C'est vert. Ok, Jean. Parfait. Qui est-ce qui a de la douleur? Moyenne. Chauve. Lâchi, t'as de la douleur? Faible, non. Bud. Faible. Lizzy. Moyenne. Chauve. Viens ici. Decker, t'as de la douleur. T'as de la douleur. Un chef-d'œuvre. C'est mes cœurs qui m'a fait un chef-d'œuvre. Bien. Allez, Jean. Alors Jean, tu viens ici maintenant. Au moins qu'il serve à quelque chose, hein, son truc là. Voilà. Parfait. Maker, tu viens t'occuper de ça. Libellule.
toi qui vas me faire ça. Maker, tu fais quoi? Pas un problème, Maker, travaille. Maker, normalement, tu es censé me faire du couturier en 5. Bien entendu, si je ne mets rien de rien. Non, je ne demande rien, je veux avoir du chapeau melon, tu vas m'en faire 20. Et tu me fais tout ça en tissu, mon ami. 20 fois 20, 400, il en restera 240, ce qui est plus que suffisant pour moi, étant donné qu'on va en avoir un petit peu plus par après. Ok, là tu m'apportes à manger, c'est bien. Les animaux sont nourris. Il faut que je change mes animaux. Ils ne sont plus herbivores. Ils sont là et là. Parfait. Et mes gens étaient corrects. Ça va. Il y a Libellule qui devrait être par contre. Eh bien, voilà deux épisodes en suivant qui auront eu leur lot d'action. Ça nous change des trois qui étaient juste avant, qui étaient vraiment infâmes. On s'ennuyait à mourir. Désolé. Encore du chef-d'œuvre. Table d'échecs en chef-d'œuvre. Mais moi, je voudrais bien avoir des légendaires. Est-ce que c'est possible d'avoir du légendaire, vous croyez? On n'en a pas eu un seul. Bien, Dan, mon pauvre ami, hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu te rends compte de tout ce qu'ils t'ont fait? Sale bête, va. Plâtrier 75 seulement, tiens, tiens. Bandit. Mon pauvre ami. Ah, l'anesthésie est finie. Ok, on pige maintenant. Jean, et toi, est-ce que 11 secondes? Bien, ben Jean, tu vas. Ouais, tu transportes et puis tu viendras me faire ce qu'il faut. Dis-moi que tout ça, c'est pourri déjà. De pourrir, ça c'est embêtant. Tout a pourri. Bon, tout a pourri. Ça a pourri bien vite cette histoire.
Attends un peu, je voudrais rajouter, moi, savoir si c'est pourri ou si c'est pas pourri. Taux de dégradation. Pas besoin du taux de dégradation. Regardez, oui, quantité de viande. Non, il me donne la quantité de viande comme si c'était. Donc, tous ceux-là, ils sont pourris. Ok. Okay. Et tout le reste, sauf ces deux-là. Ah non, ok. On va les laisser faire, hein. Donc, t'es là. Allez, emmène-moi ça. Ouais, mon électricité, c'est pas ça non plus, hein. Pourtant, j'ai coupé toutes les machines qui consomment. Enfin, presque toutes. On va soigner notre copain. Ok, là je suis complètement guéri, ça fait plaisir. Et il reste rien, ok. Bon, ça y est, on a plus de jus, hein. Ouais, ça c'est un petit peu gênant. Un petit peu beaucoup gênant. Toi. Alors, est-ce que j'ai de l'énergie qui passe? Ah, j'ai pas d'énergie ici, c'est ça mon problème.
Bon, maman, on devra avoir du courant, je pense. Ouais, ça y est, ça monte. Parce que j'ai coupé l'autre truc. Donc on va se créer une petite ligne de sauvegarde. Petite ligne de sauvegarde, je crois. On va la ramener par ici. Mais par l'intérieur. On travaille comme ça. Bon, 7003, on continue comme on est là. Là, c'est pas le moment d'avoir une éclipse. Ou plutôt un flash solaire, là je sais plus comment on appelle ça. Sinon on serait bien embêté. Oui, je n'arrive pas à récupérer du jus ici. C'est un peu chiant ça. Hein? Pourquoi tu ne me donnes pas de jus? Parce que c'était coupé quelque part. D'accord? On voit que ça a été coupé quelque part. Oui. Oui, 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 oui. Bien joué, mec. Voilà. Ensuite, est-ce que toi, tu peux te rebrancher? Voilà, normalement, ça devrait aller, non? Voilà. Ensuite, on a perdu d'autres. Ah oui, c'est juste, moi, je me laisse un peu faire, moi. On a perdu deux éoliennes ici. Bien entendu. Et je vois même pas ça, moi. C'est quand même quelque chose. Hein. Ça devait être ici. Ou plutôt, c'était ici. Ouais. Un ici. Donc, tu viens jusque là. Donc, à mon avis, l'autre était justement ici. Comme je dis qu'on n'a pas perdu grand-chose, on a perdu un maximum. On a perdu un maximum. Mais, on a perdu trois éoliennes et un bac. Eh ben dis donc. Merci Randy. Ben, il fallait bien un petit peu diminuer nos statistiques, hein? Hein? Après tout ce grand trou qu'on a eu là, tu vois. On a eu des grands trous, on a eu des grands trous ici. Et alors celui-ci. Ben là, on ne s'est pas fait avoir. Ok. Alors, Grizzly est complètement guéri. Santé. T'as toujours le même pépin qu'avant. Donc, ça change rien. Toi, ça me semble en bonne voie.
Bam. Toujours en sévère. Ok. Par contre, t'es en conscience cette fois-ci. Sky. Sévère. Ok. Dame et Sky. Jean, t'es où? Ouais, viens vite jusqu'ici. Tu vas aller jouer aux échecs dehors, toi. Mais car, dis-moi un peu ce que tu fais. Tu admires le lever du soleil. Bah ouais. D'accord. Alors, on va peut-être penser à ramener ceci à l'intérieur. C'est à Dame. Alors, merci vache. Ouais, il va plutôt me faire réserver par Grizzly, ok. Merci. Alors, au niveau de l'électricité, comment est-ce que ça tourne? On est bon. Relié de ce côté-ci. Bien. Il y a encore une chaise ici ou pas? Je ne crois pas. Si, on dirait, hein, je crois, non? Bon, niveau métal. Complètement guéri, chef d'œuvre. Chapeau de cow-boy. C'est des chapeaux de cow-boy que j'ai demandé, moi? Non. Non, c'est des chapeaux melons que j'ai demandé. Mais il devait, il y en avait sans doute besoin. Et donc, voilà, c'est fait. Stratégie de négociation pour Sky. Pendant 8 jours. Alors, stratégie de négociation. Ça va être dans... Powertab. Talent de diplomate. Recrutement. Non, c'est pas ça. Donc, ça se trouve une stat en plus. Amélioration des prix commerciaux. Alors, nous allons... J'ai 25-50 et Sky est inférieur, donc c'est pas intéressant. Bien que Sky est toujours blessé, je pense. Et donc, sa parole, elle perd un peu à cause de la conscience. Donc, ça devrait être mieux pour elle quand elle sera guérie, bien sûr. Hein.
En attendant, on fait un max de ce qu'on peut. Ensuite, est-ce que j'ai du jus maintenant? On va attendre que ça soit plein. Parce que tant que c'est pas plein, je ne vais pas m'amuser à allumer autre chose. Trop dangereux. Extérieur 62, alors qu'il n'y a pas de vague de chaleur et qu'on est le 1er septembre. Eh ben dis donc. C'est bien sympathique ça. À cause de ça, on a perdu nos bidules là. Ok, et toi, t'es mort dans tes frais, pourrira. Ok. Ah là 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 là. Allez, come on, boys. Voilà, on va les perdre bêtement. Qu'est-ce que je peux y faire? Tu dresses et puis tu viens me faire ça. Pas ça, non. Non, allô. Cuisine 4 places 1, viens plutôt. Ah, c'est d'équerre, ok. De toute façon, on n'a pas trop de place, hein, on aura bien. Ça va mieux, hein? Vache, il s'est quand même bien fait rentrer dedans, le pauvre. Grizzly, il n'est plus un. Ouais, ça me semble plus du dressage. Hein. J'allais quand même pas me prendre un spélopède. Sky est complètement guéri. Ok. Pas 20 de douleur. Ok, Jean. Ici, bon, tu recommences.
7 degrés. C'est chaud. Si je fermais la porte ici, ça serait pas une mauvaise idée non plus. Ben là, ça sert à rien puisqu'il n'y a plus rien ici, c'est juste. Est-ce que je remets un... Bonne question. Bon, il y a une porte hein, ici. Donc, est-ce que je remets un bidule pour refroidir? Non, je vais... Je n'ai plus vraiment besoin, je ne pense pas. Structure, mur en granit. Ouais, autant faire un mur en granit, c'est des murs qui tiennent un peu mieux et ça c'est des endroits qui doivent tenir un peu plus. Ossette, ici. Toi, tu restes ouvert. Toi, j'ai plus de... J'ai plus de porte. Est-ce qu'elles sont mes portes? Voilà. Ah, les portes sont parties. J'ai plus de porte. Je suis pas sûr qu'il me... Je crois que je vais abandonner ce système. Hop, annulé. On va pas casser toutes les portes, mec. C'est juste celle-ci que je vais péter. Je crois que ça n'a pas marché comme je voulais. Donc on va enlever ça. Et on va supprimer ce truc et supprimer... Je pense que je vais également démolir tout cela. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va les démolir. Parce qu'ils me gênent finalement. Ils me gênent plus qu'autre chose. Ils gênent au niveau de la place, quoi, je veux dire. Voilà. Bon, Sky, tu n'as rien gardé comme... Tu n'as rien gardé. Je vais descendre en visite médicale normale pour que tu aies toujours ton petit truc. Et toi, mon ami, allez, faible maintenant. 39 sur 40. Juste encore un peu le bassin. Ça va être fini. 02. 01. Parfait. Il te reste 20. On va te laisser te remettre à ton aise. Bon, au niveau du lait, je suis un petit peu embêté. On va donc supprimer des zones à trois zones ici, voilà, ce qui va me permettre d'agrandir ces zones-ci. Voilà, alors une chose qui ne marche pas, c'est ça. Donc ça, j'aurais dû le bloquer. Bon, 170 watts, c'est pas important. Ah, mes cœurs, comment vas-tu, mon ami? On n'a même pas le temps de revenir là. Ah oui, il n'y a plus de place pour mes chapeaux. Attention à ça.
Attention à ça. Il n'y a plus de place pour mes chapeaux. Donc, combien il t'en reste? Tu vas demander à un seul. Voilà, comme ça. Ensuite, tu vas me ouvrir ceci. Mais tu vas pouvoir commencer ainsi à me faire les mécanoïdes. Ça, on va le supprimer, les obus, finalement. Fais-moi des mécanoïdes. Parce que ça sert à rien que ça, ça s'use trop vite. Maker, fais d'abord ça. Ce qui va me permettre de libérer de la place. C'est surtout ça qui m'intéresse pour qu'on puisse remettre des chapeaux en place. En voilà déjà un qui s'en va et l'autre aussi. Parfait. Il y en avait, hein? Ok. 61 degrés, toujours. On va ouvrir nos portes, hein, maintenant. Attention qu'il fasse pas trop froid. Alors, 16 degrés, ça va, je crois. Et 17, là, ça va. Ici, 16, ok, c'est bon, et là, 0. Allez, mec, il en reste plus qu'un. Le chauve n'est plus inspiré par une tactique de recrutement. Ben non, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et tu vas aller jouer aux échecs, c'est une bonne idée, mec. Voilà. Pour le moment, je n'ai plus vraiment besoin. J'ai trois boucliers, ça va. Donc pour le moment, on va désactiver celui-ci. Par contre, maintenant, ça serait peut-être intéressant que tu reviennes dans ce truc-ci. Ouais, on va ouvrir celui-ci. Voilà. Nos batteries commencent à être bien chargées. On regarde si on n'a pas un mal. 23 jours, 23 jours. Non, et l'anon ne peut toujours pas ici venir nous donner un coup de main. D'accord, on continue. Alors, on peut encore ramener un petit peu de gelée d'insectes. Ben voilà, si tu t'en occupes. C'est exactement ce que je voulais. Comment terminer le chapeau melon? Qui est-ce qui a fait le chapeau melon? C'est vache? Nenni, hein, mec? Nenni, hein, nenni, hein, nenni, hein, c'est pas lui, hein, c'est celle-là, hein, qui doit faire ça, donc, hein. Enfin, donc.
Ok. Bon, ben, je crois qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? On va ouvrir ces quatre-là. Est-ce qu'il y a encore de la place? Ouais, plus trop, hein. De quoi un tout petit peu, quoi. Ouais, je peux encore en mettre 55 là. 40, 60, un petit peu ici aussi. Le tissu va bientôt sortir, je pense. 80%, ouais. Eh bien, mes petits enfants, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de me donner des noms pour remplacer Lisa, etc., Lakir, Imen. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.